on vient nous tester, on oblige de tester encore ceux-là qui sont sortis la veille. Nous disons, c'est des preuves de rien, parce qu'ils sont déjà négatifs, naturellement. Alors, les résultats qui devaient sortir le soir n'ont plus sorti. Et nous avons demandé pourquoi, nous avons dit ça va sortir une heure après, jusqu'à dormir. Le lendemain matin. Donc ce matin, nous n'avons toujours pas de résultats et nous faisons pression. Vers 10h30, moi j'attends ici les résultats parce que le médecin local me dit d'attendre. J'envoie l'équipe qui doit aller à la réunion technique. L'équipe va à la réunion technique. En pleine réunion technique, la partie adverse, donc la partie camerounaise, annonce en pleine réunion technique que nous avons 13 Covid. On dit, mais écoutez, nous sommes concernés, nous ne savons rien, nous attendons les résultats. Maintenant qu'il y a un complot qui est en train de tramer contre la République démocratique du Congo. On veut encore nous retirer 13 joueurs dans le groupe, soit disant qu'ils sont atteints de Covid. Nous disons non à ce complot. Nous sommes venus au Cameroun pour jouer le football et non pour que nous soyons complotés. Alors nous demandons une contre-expertise à la République démocratique du Congo. Qu'on nous envoie l'équipe experte de l'INRB, qui est un avion spécial, qu'on nous amène une équipe experte de l'INRB pour venir faire la contre-expertise. Nous disons non à ce complot. Ça, ce n'est pas le football. C'est devenu la violence, c'est devenu le racisme, c'est devenu autre que le football. Nous disons non et les autorités congolaises doivent le suivre. Nous sommes ici, nous sommes vraiment très énervé. Si c'est le cas que le Cameroun continue son championnat, qu'il prenne sa coupe. C'est pas possible. 13 joueurs qui sont encore pris dans le Covid. Ça ne se fait pas, ça c'est anti-sportif. Nous ne voulons pas qu'il y ait cette situation dans ce pays. Que nos autorités prennent les dispositions pour qu'il y ait la justice. La CAF ne prend les dispositions. Nous ne voulons pas qu'il y ait ce genre de justice. Merci. Le problème de la vie c'est que depuis tout ce qui est là, l'équipe de tous les gens qui sont là, quand les gens congolais ont un coronavirus, les gens qui ont un pays qui ont un coronavirus, ils ont un pays qui ont un coronavirus, ils ont un coronavirus. Donc, ils ont une guerre et un tome, ils ont un Samuel le tome dans sa babylon. C'est comme ça, lobby de son atome, tout le monde a quitté les autres, côté major Bazali, ils ont combattu en bas le lobby, sont les Cameroun, organisé un cas. Mais ils ont joué le thé, ils ont profité, qui a montré que tous les forces sur le terrain, ils ont eu le coronavirus, ils ont eu la délégation, plus de 200 quelques personnes. Attends, moi, quand il y a le coronavirus, c'était. Ensuite, ma joueur va contrôler chaque jour. Je vais mettre dans la Ligue des Champions. On va faire un championnat mineur. On va contrôler la barre. Coronavirus, ça va être un peu à la carte à Cameroun. L'homme va remettre un chaîne dans la carte. Donc, on va faire un côté major Mazali. On va remettre un côté. Ceux qui vont remettre un peu de Cameroun. On va 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 remettre un peu de gouvernement. On va le président. 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 Si c'est comme ça que Cameroun a eu le problème, pas qu'à ta Je ne sais pas si tu es un homme.